contre, au-delà de tout problème que le pays a gagné, que chaque grand journaliste média voit représentant. Plateforme Store engagé fait une longue route de 1er janvier 2018 jusqu'à 1er janvier 2020, qui est en fait 2 ans. Mais il y a des gens qui disent que c'est 20 ans pour ensemble de production que nous faisons, pour ensemble d'engagement et de l'échange de tout secteur que nous prenons. Il était question pour que nous célébrions le deuxième anniversaire de plateforme. Non? Et dans le deuxième anniversaire, là, nous ne faisons pas de fête tant que c'est fête parce que je dis à pays à malade. Pas une question de fête, mais il était question pour que, un, pour nous agiter des thématiques qui inhérentes avec le programme politique de plateforme sur la radio qui est intitulé En marche vers la nouvelle République. Et là-dedans, il y a deux conférences débat qui sont pour une conférence débat qui est lié à budget de la rupture. Le budget de la rupture est-il un élément clé pour la construction de la nouvelle République? Et c'est monsieur Georges Henri Pascal, ingénieur, statisticien, comptable, ancien cadre du ministère de l'économie et des finances, ancien président de la Cour des comptes et actuel délégué du ministère de l'économie et des finances auprès de l'audit de l'État haïtien, qui a traité thème ça pour nous. Parce que nous croyons que le budget de la rupture, budget de la rupture, c'est un budget qui est capable d'aider le pays pour sortir dans le point A pour arriver dans le point B. Parce que le budget que nous avons actuellement, que nous avons utilisé, c'est un budget qui nourrit la pauvreté, c'est un budget qui a enlisé le pays davantage vers le développement du sous-développement. Et deuxième thématique qui est liée avec l'activité, qui c'est la question personnes vivant à l'extérieur du pays que les diasporas. Et que dans ce sens, c'est que nous avons maître Olicier Pierriche, avocat, théologien, ancien consul général à Miami, Florida pour Haïti, ancien ministre haïtien vivant à l'étranger, qui pratiquement qui a pris le thème ça pour nous, c'est comment intégrer la diaspora dans la construction de la nouvelle République. Parce que nous croyons que la constitution bail tout le monde droit, notamment diaspora qui malheureusement yo nié question principe du sanguinissant pour qu'on mette des restrictions civiles et politiques et nous-mêmes nous entendons charrier toute revendication à ceux qui a vu à l'étranger. C'est ça qui fait que nous octroyer une médaille de grand chevalier de l'ordre de la diaspora haïtienne en faveur de M. Fritz Philemy, ancien maire élu de Tabar, qui pratiquement qui a vécu à l'étranger, pour nous montrer diaspora combien nous attachés à eux-mêmes, combien que nous entendons incorporer dans le programme politique plateforme là, et nous gagnons maître cérémonie nous, qui c'est M. Nixon Attis, diplomate, journaliste, analyse politique, radio télé signal FM. Donc bref, c'est que c'est ça événement, c'est un événement intellectuel, c'est un événement patriotique et c'est un événement politique tout. 2 ans, c'est la principale du côté nous. Nous pas pour nous orgueiller, nous faisons une femme pile route. La marche a été longue et nous marchons jusqu'à présent vers la nouvelle République. Qui perspective vous pour aller perspective en pile. Nous avons résumé ce que nous avons en politique, qui c'est en marche vers la nouvelle République et nous allons droite vers la prise du pouvoir. Il y a un paquet de patrons qui ont 3 jours de la fin de la construction. Nous ne pouvons pas dire que ça, pour regarder comment nous sommes capables. Il faut dire que nous sommes de l'opposition politique. Mais nous croyons que dans le moment, faudrait-il l'accord exceptionnel s'impose. L'accord politique exceptionnel s'impose. Mais pourquoi? Parce que nous avons un accord Mariotte qui charrie ensemble de revendications plausibles, acceptables. Mais il faut que nous disions tout que l'accord Mariotte est en sommeil. Parce que tout simplement, son accord qui dédie pour commencer à prendre effet, justement, le président de la République a démissionné. Le président, jusqu'à présent, il n'a pas parlé national. Jusqu'à présent, le président a pris la décision. Donc nous croyons que l'accord est en sommeil. Deuxièmement, il y a un accord qui n'a pas, qui sont un accord qui révèle, c'est des alliés du président, qui seulement besoin de sauvegarder 5 ans président, qui seulement besoin de changer la constitution de façon par eux, selon l'opinion publique, locale et internationale. Donc nous croyons qu'il faut qu'on traite d'union. Parce que au-delà de président Jovenel Moïse, au-delà de l'opposition politique que nous appartenons, au-delà de l'opposition politique que nous tous connaissons, au-delà même du pouvoir actuel qui dit qu'il y a défendu la population. À défaut qu'il y a bataille comme ça, ça peut arriver qu'il y a bataille contre la population. Ça fait que dans un accord exceptionnel, là, nous dit qu'il faut respecter les droits objectifs de la population haïtienne. C'est particulièrement
droits au moins pour être capable de donner service public, les droits subjectifs de la population qui se doit pour manger, qui doit pour aller à l'école, c'est la position officielle de la transformation à la nous appuyons fermement tout ça qui est pour avec un dialogue sincère, sans force, sans mettre d'âme. Et pendant que nous demandons au moins le président de la République pour voir des signaux clairs. Sous question prisonnier politique qui est en prison jusqu'à date, sous question ensemble de cas de corruption, de scandales publics et autres qui vous mettez tout secteur en confiance pour nous arriver vers un dialogue sincère, un dialogue sans mettre d'âme, sans fausse côté, qui est capable de venir que nous arriver vers un accord. Pourquoi vous participez dans le gouvernement national? C'est une table gérée par votre. La France est engagée, pas gérée par votre. La France est engagée ou la population. La France est engagée, vous voulez faire un dépassement de soi. Parce que nous croyons que la population souffre trop et tout indicateur économique monté que en rouge pour nous élever. Nous respectons tout secteur, nous respectons tout secteur et nous croyons qu'au nom de la pluralité politique, au nom de la démocratie, il y a des droits pour qu'on faire valoir position. Mais nous autres, la, c'est que la profession engagée, c'est un signataire, un signataire, un alternatif consensuel. Un alternative consensuel que nous respectons lui, mais nous dit que faut nous faire des passeports, faut nous pays pas capable de descendre plus bas que Jean-Lia. C'est notre position. Et nous ne faisons pas position en faveur du président Jovenel Moïse et ses alliés. Nous ne faisons pas position en faveur de l'opposition politique de la part. Mais nous sommes un pays, nous une population qui a souffert, qui coupe la misère. Nous une population qui a une sécurité, qui a une insécurité monstre qui vit nous. Nous une population face à un problème grand goût, misère, chômage, etc. C'est l'Andraï. Au-delà même de tout problème qui a bien, un joint un accord autour de différents que nous gagnons là. C'est pour cela que l'accord exceptionnel s'impose. Merci beaucoup.